Cette vidéo est sponsorisée par Cambly. Pourquoi est-ce qu'on aime autant éclater les bulles du papier bulle? Quelle est la composition de l'air dans le papier bulle? Pourquoi est-ce que le papier bulle a toujours l'air dégonflé sur le dessus? Est-ce qu'il y a différentes formes de papier bulle qui seraient peut-être plus efficaces que d'autres? Est-ce qu'il y a un sens au papier bulle? Pourquoi est-ce qu'il y a du papier bulle qui n'éclate pas? Et est-ce qu'il y a un moyen de rendre le papier bulle un peu plus écologique? Bienvenue dans le service après-vente du papier bulle. Bonjour. Première question, qu'est-ce qui fait qu'on aime éclater le papier bulle? Parce que quand même... C'est vraiment satisfaisant. Probablement très agaçant pour les autres, mais c'est vraiment satisfaisant. Alors, je vous avouerai qu'à ce sujet, la littérature, elle est pas grosse. J'ai trouvé deux articles du début des années 90. Un qui démontre que faire éclater du papier bulle, ça nous rend plus calme, moins fatigué, qu'on a plus d'énergie. C'est d'ailleurs cette recherche-là qui est citée par tous les articles de vulgarisation que j'ai pu trouver sur le sujet. Mais il y a une autre recherche qui est publiée 2 ans plus tard dans le même journal qui démontre que dans un autre contexte, ça crée de l'anxiété. Donc, ce sont des recherches qui ne nous apportent pas beaucoup de réponses, puisqu'on a juste 2 informations assez contradictoires. Cela dit, si on élargit le champ d'étude, parce que le papier bulle, c'est quand même restreint quand même qu'on champ d'étude, et qu'on regarde le phénomène du fidgeting à la place. Alors, fidgeting, ça se traduit par avoir la bougeotte ou encore utiliser des objets sensoriels. Par exemple, vous avez le fidget spinner ou encore, vous savez, des trucs comme ça où on appuie sur les boutons. Le fait de taper sur la table ou encore faire tourner son crayon autour de ses doigts. Alors, il y en a qui arrivent à faire l'aller-retour. Moi, je sais faire que l'aller. Ou encore des balles anti-stress. Faire clic-clic avec son stylo, tout ça, ce sont des exemples de fidgeting. Alors j'ai jamais vu le papier bulle officiellement listé dans les types de fidgeting, mais je pense qu'il peut être catégorisé comme tel. Et si c'est effectivement le cas, là, on a un petit peu plus de pistes sur les effets que ça provoque d'éclater du papier bulle. Et ça pourrait avoir comme effet de nous calmer, tout comme, à l'inverse, de nous donner de l'énergie selon le contexte dans lequel on est. Ça pourrait aussi nous aider à avoir une meilleure gestion du stress. Rien de très surprenant jusque-là, mais il faut se rendre compte que selon cet article de 2020, il n'y a pas encore vraiment de consensus sur les raisons pour lesquelles on ferait ce genre de choses. On a plein d'hypothèses, par contre, je vous l'accorde, et je ne vais pas toutes les lister, j'en listerai qu'une seule, issue de ce même article. La bougeotte serait une façon de prouver son existence à soi-même et aide la personne à confirmer sa propre présence lorsque il ou elle est dans une situation où son image de soi est diminuée. Rien que ça. Alors là, on ne fait qu'effleurer la surface parce qu'on veut répondre à beaucoup d'autres questions dans cette vidéo, mais j'avoue que c'est un sujet qui mériterait une vidéo entière. Ça vous intéresserait? Parce que domaine psy, c'est pas ce que je fais d'habitude, donc qu'est-ce que vous en pensez? Question suivante. De quoi est composé l'air dans les bulles? Voilà une question plus facile et moins philosophique. Au moment de la fabrication du papier bulle, ce sont 2 feuilles de plastique qui sont collées ensemble. Donc il y en a une qui a des bulles, mais elles sont collées ensemble. Et donc l'air qui est emprisonné, c'est celui qu'on retrouve dans l'usine de fabrication. Si vous trouvez que ça pue, c'est donc l'odeur de l'usine. Est-ce qu'il y a d'autres formes de papier bulle? Alors, le brevet original intégrait différentes formes de papier bulle, donc des hexagonales, des cylindriques, des hémisphériques. Et sur Internet, on peut trouver à peu près toutes les formes. Cela dit, il semblerait que la forme la plus répandue aujourd'hui, ce soit la demi-sphère, d'après une étude particulièrement approfondie de ce que j'ai trouvé dans mes placards, et d'un sondage auprès de vous sur Instagram. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Insta, je parle souvent des vidéos que je suis en train de faire, donc si ça vous intéresse et que vous n'avez pas peur d'être spoilé, ben vous savez où me trouver. Alors quant à savoir lequel de ces designs serait le plus efficace, là je sais pas. En fait le brevet semble sous-entendre qu'il y a effectivement des différences dans le type d'absorption des chocs, mais sans entrer assez dans les détails, et dans la même phrase, ils disent que la résistance maximale est la même, donc franchement j'aurais tendance à penser que s'il y a une différence, elle est probablement négligeable tant qu'on garde le même volume d'air emprisonné et les mêmes épaisseurs de plastique. Y a-t-il un sens au papier bulle? Et donc oui, il y a un sens, il faut mettre les bulles en contact avec l'objet à protéger. En fait, la partie plate du papier bulle, c'est une partie qui est rigide, qui ne se déforme pas ou presque en tout cas beaucoup moins que du côté du coussin d'air. Donc pour bénéficier des avantages du coussin d'air et de son absorption, bah, il faut mettre ce coussin d'air en contact avec l'objet à protéger. Pourquoi le papier bulle est tout rabougri? Alors, je suis sûre que vous avez déjà fait cette constatation-là. Si on regarde les bulles, elles ont l'air pas vraiment remplies. Elles sont toutes fripées, là, c'est rabougri, elles sont pas pleines. Et ça, en fait, c'est une conséquence du procédé de fabrication. Comme le plastique qui est utilisé pour fabriquer les bulles est chaud au moment où les bulles sont créées, ben, l'air qui est enfermé dans la bulle est chaud également.
et donc dilaté, c'est-à-dire qu'il prend beaucoup de place. Et quand le tout se met à refroidir à température ambiante, ben là, l'air prend moins de place, il se contracte. Et avec un calcul grossier, j'arrive au fait qu'à température ambiante, il y aurait 40% de volume d'air en moins que quand la bulle a été créée, juste à cause de cette dilatation-contraction du gaz. Et donc, ça explique pourquoi les bulles ont l'air à ce point vide. D'ailleurs, je pense que si je remets mes bulles au four, l'air va se dilater et ça devrait défriper mes bulles. Donc là, on voit, c'est juste avant de passer dans le four, à quel point il est fripé et que les bulles ne sont pas remplies. Et voir ce que ça donne. A few minutes later. Alors, voyons, vieux, voir. Ah ouais, ah, les bulles sont plus du tout... Elles sont pleines, là, j'ose pas trop toucher. Elles sont plus du tout rabougries. Pourquoi certains papiers bulles n'éclatent plus? Alors, j'ai pas d'exemple sous la main, mais vous avez probablement vu ce papier bulle. Hop, hop, hop. Ce papier bulle qui n'éclate pas et il ressemble à ça ou encore à ça. Alors, il existe depuis les années 2015 et c'était pas un acte de méchanceté pure de la part des fabricants que de nous empêcher d'éclater des bulles. C'était un choix pragmatique et économique. Parce qu'en fait, quand on transporte du papier bulle de l'usine de papier bulle à une autre usine qui voudrait protéger ses objets avec le papier bulle, on transporte essentiellement de l'air. Et des camions qui transportent de l'air, c'est économiquement, logistiquement et écologiquement pas très très mal. C'est pour ça que le high bubble, c'est comme ça que ça s'appelle, est maintenant fabriqué en étant dégonflé, et il est gonflé sur place au moment de son utilisation. Et on estime qu'un camion de papier de bulle dégonflé, donc c'est-à-dire avec cette technologie de papier bulle, ça équivaut à 47 camions de papier bulle pré-gonflés, donc comme cela. Je pense que ça valait la peine de faire cette transition technologique. Mais pour avoir un papier bulle gonflable sur place, ben, il a fallu changer le design, parce que là on peut plus gonfler les bulles une à une, alors la solution ça a été de les gonfler ligne par ligne. Comme ça, si on a une machine qui souffle d'un côté, on arrive à remplir toute la largeur d'un papier bulle. Alors pour les amateurs et amatrices d'éclatage de bulles, ça veut dire qu'au lieu d'éclater, l'air de la bulle ne fait que se déplacer dans les autres compartiments de la même ligne et elle éclatera jamais. Je suis désolée, c'est comme ça. Est-ce que ça pourrait être plus écolo? Alors vous avez été nombreux et nombreuses à poser cette question autour du papier bulle et de son impact écologique. Alors oui, il existe du papier bulle biodégradable, celui que j'ai trouvé de couleur verte, hein, sans surprise. J'ai pas enquêté sur l'efficacité de sa biodégradabilité, donc je ne saurais vous dire ce que ça vaut, mais ça existe. Autre option beaucoup évoquée, c'est d'utiliser des solutions de remplacement, du papier, du carton, des chips de calage, etc. Mais malheureusement, on peut pas dire qu'elle est LA meilleure solution d'un point de vue écologique, de façon absolue. Et là, je vous renvoie à ma vidéo sur le plastique autour du concombre et au live qu'on en avait fait. C'est contre-intuitif, mais le plastique n'est pas forcément la pire solution. Et il faut faire du cas par cas. Et parfois le papier ou le carton sera meilleur, et parfois ce sera le plastique. Je sais, c'est agaçant, on peut pas donner de réponse claire, mais si c'était si simple, les amis, on aurait déjà résolu notre problématique de changement climatique. C'est compliqué. Et si on veut une réponse vraiment universelle, mais qui ne va probablement pas satisfaire, bah c'est de pas avoir besoin d'emballage, en consommant local ou en réduisant le nombre de ses achats. Mais dans un monde pandémique où on commande beaucoup en ligne, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en avoir besoin. Mais vraiment, si le sujet vous intéresse, allez voir cette vidéo que je vous mets en description parce que j'ai vraiment beaucoup appris en la faisant et on comprend un petit peu mieux la complexité de la chose. Pourquoi voit-on essentiellement des coussins d'air? Alors, on parle du papier bulle, mais personnellement, ça fait longtemps que j'en ai pas reçu. C'est plutôt ce genre de choses que je reçois dans mes boîtes de livraison à domicile. Ce sont ce qu'on appelle des coussins d'air. Et leur rôle à eux, c'est un peu différent de celui du papier bulle. Leur premier rôle, c'est de remplir les cartons. Parce que comme les cartons n'existent qu'en quelques tailles standards, bah si l'objet à envoyer est plus petit que la boîte, bah il faut remplir le vide avec ces coussins d'air pour éviter que l'objet ne se balade. Donc ce sont officiellement des void fillers, donc des remplisseurs de vide. Avant de conclure, je voulais vous montrer la peinture en papier bulle que j'avais faite dans la précédente vidéo. Normalement, elle aurait dû être affichée là. Dans la dernière vidéo, on voyait l'afficher, il y a encore le petit clou. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, on parle de comment le papier bulle peut être efficace pour protéger nos objets quand ça éclate si facilement avec les doigts. Allez la voir, si vous aimez le papier bulle, ça devrait vous satisfaire. Mais bref, voici ce que c'est devenu. Je suis vraiment déçue, je pensais que j'avais réussi à boucher les trous par lesquels j'avais injecté la peinture. Si je trouve un moyen de refermer les trous efficacement, je la referai probablement, mais si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Pour info, j'ai suivi le protocole de l'artiste qui fait aussi ça, du moins ce que j'ai pu déduire de son protocole. Je vous mets un lien vers sa façon de faire dans la description. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à
vous abonner, parce que j'aimerais bien passer la barre des 500K, et à partager la vidéo, évidemment. Maintenant, j'ai choisi déjà abonner. Bon, ben, à vous abonner. Voilà, je vous demande qu'un truc. Abonnez-vous. Voilà. Sur ce, il est temps que je vous laisse avec le sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Cambly, qui est un site d'apprentissage de l'anglais en ligne, mais avec un petit twist. Si vous avez suivi la même éducation que moi, vous avez appris l'anglais pendant 7 à 10 ans à l'école, et vous n'étiez pas capable d'aligner deux phrases en sortant. Je pense que je suis pas la seule. Et la seule façon que j'ai eue, moi, d'améliorer mon anglais, c'est quand je suis allée faire un stage de langue en Angleterre, puis que je suis allée vivre en Australie. Et heureusement que j'ai pu faire cette immersion, parce qu'aujourd'hui, toutes les recherches que je fais, tous les articles que je lis pour travailler, c'est en anglais à 100%. Sauf que j'admets que c'est un peu drastique comme solution de déménager à l'étranger. Et donc c'est ça l'intérêt du site, c'est d'avoir une expérience immersive depuis chez soi. Alors tout est basé sur la communication orale, vous parlez à des personnes dont c'est la langue maternelle, vous pouvez même choisir leur accent, et ils sont là pour vous corriger. Et l'aspect correction, moi je le trouve vraiment important, parce que si jamais vous allez dans un lieu plein d'anglophones, vous allez parler, certes, mais s'ils comprennent à peu près ce que vous voulez dire, c'est rare qu'ils vous corrigent. Et donc c'est beaucoup plus dur de progresser. Mais là, avec des tuteurs en ligne qui sont là pour vous écouter, vous parler, ben vous serez corrigé. Et je vous laisse explorer le site, mais sachez que vous pouvez aussi aller chercher un enseignement très spécifique. Si vous avez une présentation à donner pour améliorer votre vocabulaire académique, votre vocabulaire de voyage, etc. Et vous pouvez faire ça depuis votre téléphone. Donc par exemple, à votre pause du midi, 15 minutes par-ci, par-là, vous vous entraînez comme ça à juste parler régulièrement d'un sujet ou d'un autre, ou alors vous faites des sessions plus longues, c'est à vous de décider. Bref, si ça vous intéresse, vous avez 50% de réduction sur un abonnement annuel et un coaching gratuit de 15 minutes avec le code SYLABUS50. Évidemment, tout est en description.